Le voici, le dernier né donc de la gamme Escapade. Porter Ford, Ford Custom, vous connaissez. Très très beau véhicule, vous allez voir. 4,97 m. Bon, moins de 5 mètres, vous l'avez compris. Très facile pour le stationnement. 4 couchages, 5 places carte grise. Donc banquette coulissante comme vous voyez sur un plancher technique. Donc toujours pareil, hein. On avance, on recule. 3 places, carte grise à l'arrière, donc c'est une banquette qui se transforme en lit bien entendu. Isofix, ça je sais que c'est important pour les parents qui veulent assurer que les enfants soient bien attachés dans leur siège bien entendu. Donc banquette Isofix. On va retrouver donc un frigo à compression qu'on voit ici. Hop. 49 litres avec son petit espace fraiseur. On a retrouvé un chauffage et chauffe-eau sur le gasoil Webasto, vous connaissez aussi. Celui-ci est en option par contre. Le toit relevable pour accueillir un lit de couchage bien entendu. Ouais. Avec système Froli, façon équivalent en tout cas. Donc grand confort. On va avoir une capacité d'eau propre de 50 litres. Très correcte pour la catégorie. Et surtout vraiment un aspect conception très 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 qualitatif. Des petits rangements de partout comme on l'a vu. Des tiroirs. Un petit coffret gaz bien pensé, très accessible, juste ici. Des portes coulissantes comme cela, pour avoir encore des étagères. Même sous l'évier, on est allé chercher le petit espace qui restait encore. Ils sont vraiment allés optimiser de partout. Et encore une fois, vraiment la qualité des matériaux utilisés est vraiment qualitative, on le sent tout de suite au toucher. Ici aussi, regardez, encore un tiroir. Je peux même pas l'ouvrir en grand tellement qu'il est profond. Et puis bah à l'arrière, bien entendu, un espace coffre soute entre guillemets, qu'on va pouvoir ajuster suivant la profondeur de la banquette. Ça c'est au choix. Et encore du rangement. Et encore du rangement, des petites glissières. On a des prises USB, 12 volts, 220. On en a ici, on en a devant. Vous voyez, hein, de partout, hein, c'est ultra optimisé. Regardez ça. Et on... Il y a de la place. Il y a de la place, ouais. Et on trouve, comme très souvent, une douchette extérieure aussi, qui est bien pratique. Ouais, je vois qu'il y a les néons aussi, là. Ouais, éclairage LED. Éclairage LED. Éclairage LED, hein, dans tout le véhicule, ça c'est sûr. Ah, il y a quelque chose qu'on n'a pas vu, j'ai trouvé bien pensé aussi. C'est le panneau de contrôle. Petit panneau de contrôle qui a été placé juste ici. Regardez, au-dessus du conducteur. En général, on le trouve plutôt sur le côté bloc cuisine. Ça prend de la place, c'est pas forcément. C'est un peu disgracieux quoi. Là, il est intégré au véhicule, c'est super chouette. Donc, ça, c'est une nouveauté donc, de cette année. Tout nouveau modèle, donc fond Vendôme dans la gamme Escapade, donc les vannes de moins de 2 mètres. Porter Ford, donc c'est une nouveauté, hein, on avait l'habitude de l'autocamp et autocamp XL sur le Renault, ils sont toujours au catalogue bien sûr, mais ils ont maintenant un petit frère qui vient les rejoindre donc dans la gamme, et je pense que c'est un produit qui va avoir énormément de succès cette année. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, à très bientôt.